On va, à mon avis, dépasser une somme assez extraordinaire. Parce qu'on va, exploser le compteur. Écoutez-moi bien, nous en sommes à... Il est énervant. 100 et 2350 euros. Yeah, les 6 millions, bravo. On vient de passer le cap des 6 millions. Wow. Fantastique. Merci à tous. Alors, surtout, merci à vous tous, téléspectateurs chéris, c'est pas grave, c'est l'âge, c'est l'émotion. Ce succès est le vôtre. C'est vous qui avez fait ce chiffre, qui avez fait exploser le compteur. Merci du fond du cœur. Et c'est un stress qu'on a depuis le début de cette émission. On n'osait pas imaginer un chiffre pareil. Mais c'est pas fini, il faut encore composer le chiffre d'or. 0800 948 81 ou le site cap48.be par SMS 48 81. Allez-y maintenant, envoyez votre numéro de compte sous format IBAN ou alors les 12 chiffres suivis d'un espace et le montant que vous voulez verser. Mais allez-y maintenant, tout de suite. Bon. Merci à tous. C'est fantastique, vraiment. À chaque fois, vous nous faites vivre une soirée extraordinaire. François, vous n'allez pas me démentir. C'est la folie ici en studio, mais que se passe-t-il chez vous ? Chez nous, c'est l'euphorie générale. Regardez derrière moi, les téléphonistes sont là. Imaginez-vous, on a battu le record historique de Cap 48 avec les équipes du Grand Cactus. C'est vraiment fantastique. Et alors ? Les compétitions sont là également avec le président, monsieur Descamps. Mais sachez aussi qu'on a atteint notre deuxième objectif, celui de la danse. We Are Family, la chorégraphie, elle est apprise. On va danser tous ensemble. Musique. Voilà, je laisse la place aux danseurs. Un record historique et c'est grâce à vous. On a eu très fort quand même, il faut le dire. Au début de l'émission, au cours de l'émission, on était un peu en retard, mais vous avez été tellement généreux. Alors j'ai à mes côtés monsieur Descamps, le président de Cap 48. Depuis 30 ans que vous êtes ici, j'imagine que ça vous fait chaud au cœur d'avoir une telle mobilisation et un tel chiffre. En effet, c'est chaque année, c'est davantage. Donc on dépasse les 6 millions, c'est extraordinaire. C'est un élan de solidarité qui est fantastique et grâce auquel nous allons pouvoir intervenir en faveur des personnes handicapées qui vivent dans des institutions, des services spécialisés, et tout ça pour augmenter la qualité et le bien-être de ces personnes et de faire en sorte aussi qu'elles puissent participer au plus possible à toute la vie sociale. Merci Président, et sachez que ça continue. Pourquoi pas offrir encore un peu plus? Vous connaissez désormais par cœur évidemment le procédé. Il y a le numéro de téléphone 0800 9 48 81, le SMS le 48 81, et puis il y a aussi le site internet cap48.be. Un tout grand merci pour votre innocence. Merci à Martin, merci aux équipes de l'entreprise et à tous les téléphonistes. Mec sur standard. Ah, vous êtes incroyable, Aïnano. Et merci François Mazur, merci au Grand Cactus, merci à vous qui nous regardez ce soir. C'est grâce à vous si ce soir on peut afficher un montant pareil, 6 061 000 euros. Philippe, vous avez été un parrain exceptionnel pour ce millésime 2018. Est-ce qu'on se donne rendez-vous dans 20 ans, c'est-à-dire en 2038? Bien sûr. Plus tôt. Non, disons dans 20 ans. Oui, ok. Si vous y arrivez, moi j'y serai. C'est un beau défi, hein. Voilà. Je ressemblerai un peu plus à Charles Aznavour, mais je serai toujours là. Et qu'est-ce que vous allez retenir de cette grande soirée de solidarité ? Bah écoutez, qu'au-delà de la somme exceptionnelle qui est récoltée ce soir et qui va encore augmenter dans la nuit et dans les jours qui suivent, il y a pour moi un véritable élan du cœur de la part d'une population qui est très sensible à toutes les thématiques que nous avons évoquées ce soir. Parce que donner, c'est une chose, et merci du fond du cœur de l'avoir fait si généreusement à tous, mais comprendre que le handicap, que l'exclusion ne doivent pas abîmer
des vies, ne doivent pas empêcher des gens de faire des métiers, de faire des activités sportives. C'est ça qui est important. Et ça, c'est tout au long de l'année que nous devons le mettre en œuvre, c'est-à-dire savoir que nous sommes tous des êtres humains, que nous sommes tous des frères et des sœurs, et que la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est de s'entraider et de rendre la vie belle à tous. Merci, Philippe Geluck.